Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Oui, moi, ça va bien, merci. Alors, voyons le courrier. Peux-tu nous expliquer les pronoms personnels? Bien. D'une manière générale, un pronom est un mot qui remplace un nom dans une phrase. Voyons quelques exemples au travers cette jolie histoire de la légende de Saint-Nicolas. Mais connais-tu Saint-Nicolas? Non? Laisse-moi t'expliquer. Je vais chercher mon livre et je reviens tout de suite. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Bien, voyons Saint-Nicolas. Que dit le livre? Le livre nous dit que l'église de Saint-Nicolas de Myre est dessinée ici. Ah oui, voilà donc son église en Turquie, à Myre, l'église Saint-Nicolas. Bien, Saint-Nicolas est une fête pour les enfants, où Saint-Nicolas distribue des cadeaux et des friandises aux enfants. Ah, miam miam. C'est quand? Le 6 décembre. 5 ou 6 décembre. D'accord. J'y serai. Bon, soyons sérieux. Alors, Saint-Nicolas était un évêque protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles, ainsi que le saint patron de la Lorraine. Oui, moi je suis Lorrain. Oui, comme les pâtés. Pâté Lorrain. Oui, bon, d'accord. Allez, on continue. Bien. Saint-Nicolas est dans certaines régions accompagné du Père Fouettard, qui distribue des coups de trique aux enfants qui n'ont pas été sages. Vous avez été sages, vous? Ouais. Bien, on reverra. Bien. Alors, selon la légende, Saint-Nicolas aurait ressuscité trois enfants tués par un boucher. C'est le thème que je vous propose d'étudier, où nous allons voir les pronoms personnels. Mais avant ça, je vais prendre un petit lait miel. Peut-être des friandises. Oui. Bien. Avant de voir les pronoms personnels, je voudrais vous expliquer ce qu'est un pronom. Un pronom remplace un nom. Exemple. Ils étaient trois petits-enfants qui s'en allaient glaner aux champs. Qui, ici, remplace enfant? Bien, peut-être un exemple. La régie, on peut passer l'extrait? Oui. Bien, à présent, voyons les pronoms personnels. Un petit récapitulatif. Alors, voyons la première personne du singulier. Je, me, moi. La deuxième personne du singulier. Tu, te, toi. La troisième personne du singulier. Il, elle, lui. Le, la, ce, soit, en, y. Voyons à présent la première personne du pluriel. Nous. La deuxième personne du pluriel. Vous. Et enfin, la troisième personne du pluriel. Ils, elles, eux, les et leurs. Il est temps de prendre un petit lait miel avant la suite du cours. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Les pronoms personnels, complément d'objet direct, COD, remplacent des noms de choses
ou de personnes définies. Ils répondent à la question « quoi » ou « qui ». Les pronoms personnels compléments d'objets indirects, COI, remplacent des noms de personnes. Ils répondent à la question « à qui ». Bien, à présent, place à la légende. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Voyons quelques exemples de pronoms personnels au travers cette légende de Saint-Nicolas et le boucher. Dans la première phrase, Saint-Nicolas alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger ? Qui voudrait me loger ? Le boucher. Tu remplaces le boucher. Loger qui ? Saint-Nicolas. Me remplace Saint-Nicolas. Voudrais-tu me loger ? Voyons une deuxième phrase. Entrez, entrez Saint-Nicolas. Il y a de la place. Il n'en manque pas. Entrez, entrez, Saint-Nicolas. Il y a la place. Il n'en manque pas. Il ne manque pas quoi ? De la place. En remplace place. Voyons un troisième exemple. On lui apporte du jambon. Il n'en veut pas. Il n'est pas bon. Non, je n'en veux pas. Le jambon n'est pas bon. À qui apporte-t-on du jambon ? À Saint-Nicolas. À lui. On lui apporte du jambon. À Saint-Nicolas. Qui ne veut pas de jambon ? Saint-Nicolas. Il remplace Saint-Nicolas. Il ne veut pas quoi ? Du jambon. En remplace jambon. Il n'en veut pas. C'est quoi qui n'est pas bon ? Le jambon. Il remplace ici le jambon. Il n'est pas bon. Enfin, voyons une cinquième phrase. Du petit salé, je veux avoir, qui à 7 ans est au saloir. Quand le boucher entendit ça, bien vivement, il se sauva. Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans est au saloir. Entendit quoi ? Ça. Petit salé. Bien, et je crois que j'ai fait le tour du problème. À présent, il ne reste plus qu'à travailler tout ça. Bien, moi, je vais peut-être manger une bonne orange. Ça sent le pain d'épices par là. C'est peut-être Saint-Nicolas qui m'a ramené du pain d'épices. Ah ouais, j'ai été sage, très gentil. Ah ouais, 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 très mignon, tout ça. Pom 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 pom. Ce cours sur les pronoms personnels se termine avec, pour fond de décor, Saint-Nicolas, l'église de Saint-Nicolas, et la légende de Saint-Nicolas et le boucher. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Et peut-être le 5 ou le 6 décembre, ouais, pour voir défiler Saint-Nicolas dans les rues. Aïe, ah là, ça sera super. Ah oui, j'aime bien moi.